Champions Tournament 7. Faut que tu fasses quelque chose, c'est bien impossible, là. Ça bug tout le temps là. Arada, il faut que tu fasses quelque chose, Arada. Hein, c'est plus possible. Arada, mec, hein. Ah, je sais plus parler anglais, putain. Ouais. Ouais, mettre la revanche. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais. Non, mais c'est le mec, c'est plus un spammer, ça. C'est. Qu'est-ce que tu fais? Il saoule! C'est bon. Si c'est un spammer, il va rien comprendre. Ouais. Mec, la shop, elle s'arrêtait pas, wesh. Ah mais c'est King ça, depuis Tekken 2 il fait ça. Regardez les gars, c'est la magie de King. Abusé. Oh. C'est parti, la shop infinissable. Non, il est mis.
Ah oui, il l'a mis. je finis autrement, je finis autrement. Mec, c'est abusé. Ah, c'est des chopables en faisant le KV au triangle, en fait. Ah, j'entends mal, j'ai mis les sons du micro bas, je vais le remettre après. Reviens là. Ah, je vais vous faire l'autre, enfin, s'il a des chopes pas. Et on dirait qu'il a des chopes pas. Attention, il a des chopes pas. Et là, s'il se relève en spamant. Non, ça marche pas. Allez. Ah, raté. Eh non, Kuba, j'ai deviné. Voilà, ça c'est fait. Là, je disais à l'anglais, il faut jouer intelligemment, c'est tout. Moi, j'ai acheté le jeu hier, mon gars. Regarde, je fais comme vous. Eh ben, c'est très bien. Il y a 15 euros sur le Play Store, et c'est bon. Allez, bah, je lui mets un perfect, les gars. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait comme lui, hein. Je spam comme vous dites. Hein. Il va pas être content, là. Ouais, voilà, mais il faut juste passer une fois. Tu sais, moi, je mets une fessée chacun et après... aïe, Bibouze, vous connaissez Bibouze? Pas du tout. Après, t'es bien tombé, t'as acheté le jeu hier, tu tombes sur moi. Je suis... j'essaie d'aider le plus possible les nouveaux jeux parce que... aïe, non. Comme ça, ils en revendent pas le jeu, ils deviennent forts et après, ils m'entraînent parce que tu deviens fort avec moi. Ah. Après, bien sûr, faut que t'aies envie de jouer et que ça te lasse pas aussi parce que tu tombes sur des mecs, franchement... ils disent pas bonjour, ils t'éclatent, ils te foutent des perfects et presque ils te disent que t'es un loser, etc. quoi. Oh non, ça c'est chiant. Ah ouais, non mais c'est voilà, alors que c'est avec moi ça passe mieux quoi. Je veux dire, bon, je te fous une petite fessée, je te montre et après je te dis comment j'ai fait. Attends, je vais juste faire un truc. Il y a pire que moi. Il y a pire que moi. Ah ça y est, je l'entends mieux les gars. Ah en plus, Alisa, je la connais bien et avec King, je vais te faire chier. Oh bah là, c'est fini. Hein. Ah si, écoute, au troisième date, c'est normal. T'as fait du classement avec elle et t'es tombé sur des mecs de ton niveau, donc t'as aussi à les battre. Mais moi, avec mon niveau, c'est compliqué. Ah, c'est pour me présenter. Ah, j'ai raté. C'est un 10 coups, mais là j'ai fait un 9 coups, je crois, parce que si je l'arrête, eh ben, je peux continuer comme ça ce que je fais là. Non, mais là j'ai eu l'occasion, mais t'auras pu bouger. Voilà, je savais que t'allais faire ça. Je contre au coup de pied. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est bien, t'attends un peu plus. Non, non, arrête avec ça. Aïe. Mmh. En plus c'était à distance là, t'aurais pu utiliser les roquettes. Ouais mec, c'est cancer, c'est une technique comme l'autre. Mec, ça a d'esquiver mais bon. Ouais, faut faire un pas de côté. Ouais voilà, ouais. Et après j'arrive au courroux et je le chope. Trop tard. Oh non. Bon, je... ah, ça rebug. Non c'est bon. Mais ça bug tout le temps, ça bug tout le temps la fin. Non mais là en ce moment, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, hier j'ai eu 3 décos comme j'ai eu là. Ouais moi aussi. Y a plein de bugs. Tu peux attendre Raytos et que je joue contre Mibouz et après j'arrête de jouer. Ouais ouais. Enfin, je vais aller chercher ça en haut. Je vais pas me mettre prêt du coup, je vais attendre. Ah c'est Gravitor, enfin Grivator le mec aussi. Bon je l'ai ouais. Je l'ai dans mes... non non mais le gars qui se spammait. Ouais, frère t'as fou. Givrator, ok. Mmh.
Vas-y. Je vais d'abord poser mon perso et je vais envoyer des petits messages au gars quand même. Pour qu'il accepte ma requête d'ami, comme ça je vais pas. Je vais aussi. Non, non, bah non, t'as bien vu ce que j'ai mis juste avant. C'est Bibo ce qu'il s'appelle, hein. Ouais, je Bibo. Cherche. 92. Je cherche des nouveaux à conseiller. Ça, c'est bien ça. Ah là, j'ai mis aussi. Il aurait pris Kazumi, il aurait pris Akuma, il aurait pris Jeez. Et c'est les persos que je supporte pas. Ou Negan aussi, Negan des fois quand il maîtrisait il casse couilles. Il est abusé. Mais il est fidèle à la série donc c'est bien. Voilà, ça c'est le truc que j'ai pas réussi à vous faire pour l'instant les gars. Regardez la vie. Attends, j'ai une interface d'abord. Ah, ça c'est fait. Alors attends. Ah aussi les gars, là j'enregistre pour YouTube. Donc si vous voulez qu'on vous entende parler, il faut aller dans paramètres et autoriser la diffusion des voix. Moi c'est déjà bien. Ok ok, ça marche. Paramètre de la partie. Là. J'ai envie de m'amuser là, mais je crois que je vais regretter. Ah bah mets-le, mais voilà, mets-le autorisé. Il est ressemblé à un coup de pied toi. Bon, j'ai mis autorisé. Ah putain, j'ai raté. Non, je peux aller au gars. Ah, tant pis. Mais au moins, il faut dire stop. Ouais, toujours. Voilà, tu m'as demandé la prise de soumission, ça vient. Si vous connaissez Daniel Bryan, c'est sa prise fétiche. Le replaçage de vertèbre. Ah, j'ai raté, je coupe les arrières et... Ouais, j'ai raté. Voilà, le contre et éclatage de burn avec ma tête. Voilà, je vais vous laisser jouer entre vous et je vais déjà, est-ce que vous avez configuré les gâchettes de la manette? Ouais, j'ai fait genre L2 et R2, j'ai mis des touches. Ok, bah attends, je vais t'envoyer un truc mieux, tu vas voir. Je crois L2, j'ai mis triangle et carré, R2, j'ai mis rond et X et après j'ai mis L1 pour rond et carré. Tu configues. Ouais, pas tout de suite, ah, c'est... On figue les gâchettes de la manette. Ah, c'est bien, il y a le truc automatique. Ah, mais allez-y, je vais entre vous là. Là, c'était vraiment pour me présenter et maintenant je deviens votre coach, entre guillemets. Moi, j'ai pas envie de me battre, j'ai envie de configurer justement. Ah, bah, arrête, c'est pas moi justement. Ah, bah, attends. Je quitte la session. Okay. Ah, non, c'était moi l'autre. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ai dans les gens rencontrés normalement, donc c'est pas grave. De toute façon, c'est Bibouze92. Option, configuration des manettes. Donc vous allez en dessous carré triangle X rond, vous y touchez pas. Vous allez sur projection PGG plus PIG et là vous appuyez sur L1. Projection, attends, quoi PG? Regarde, il y a projection PGG plus PIG. Tu vas dessus et t'appuies sur L1. Mmh. Okay. Après tu vas en dessous, tu appuies sur R1, renard. Okay. En dessous tu fais R2. Mmh. Et en dessous tu fais L2, Léonard. Okay. Voilà. Et après tu vas tout en bas et à Rajark. Voilà, c'est ça. Ça fait L1, R1, R2, L2. Voilà. Et après vous allez sur Rajark et vous cliquez droit sur le joystick droit. Ça va mettre R3.
Ok. Voilà, et là vous allez en bas, confirmer, quitter, et là l'entraînement pour tester. Alors, ce que je conseille à tout le monde... Mais quoi? Ouais, c'est pas grave. Non, t'as été que t'allais 5 minutes. Ouais, c'est bon. Ça va 5 minutes. Bah, après... Voilà, tu vas voir, c'est... Bah, c'est depuis Tekken 6 que je fais... Non, depuis Tekken 3 que je fais ça. Alors, vous allez dans l'entraînement, vous allez devoir la liste des coups, et vous allez aller tout en bas. Voilà, vous les prenez votre perso, et vous allez tout en bas, et il y a des samples combos. Vous essayez de les faire. C'est les coups que je faisais aérien là. Bah là, il faut que tu arrives à les maîtriser. Quand tu arrives à les maîtriser, tu vas en combat trésor, tu montes jusqu'à brawler. Ça, tu t'entraînes vraiment avec un adversaire, même si c'est l'ordinateur. Et donc tu vas les répéter, donc tu vas vraiment les connaître par cœur. Et après, quand t'es brawler, tu vas sur YouTube, tu tapes Tekken combo et ton perso. Genre Tekken combo King quoi. Enfin Tekken 7, sinon ça marche pas. Tekken 7 combo et voilà. Vous allez avoir des petites démos et vous essayez de faire à peu près ce qu'ils font. J'ai enlevé quelques coups des fois. Et vous allez voir, vous allez vite monter les gars. Ça prend pas plus de une ou deux journées pour changer de niveau. Hein. Et après pour avoir la défense, faut jouer avec des gens comme moi. Faut prendre des fessées pour bien comprendre les erreurs qu'on fait. Il y a des coups qui donnent un avantage, il y a des coups qui. Si on les fait après on est punissable, il y a des coups. Si on fait en bas, on peut se faire relever, on envoie en l'air. Enfin, il y a plein de trucs comme ça à voir quand tu joues avec les gens. Bon, je vais essayer de retrouver Bibouf maintenant.